Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre, et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue, pour les croyants, signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir notre sœur, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à notre sœur de reposer en paix dans ce tombeau, jusqu'au jour où tu la réveilleras pour qu'elle voie de ses yeux la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. On partage toute ta peine, Marc. Tu sais, je comprends, j'ai failli perdre Maryse. Pauvre Nicole, c'est arrivé tellement vite. Ah, tu pouvais pas rien faire, une crise cardiaque. Son temps était venu. Les enfants, qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants? Inquiète-toi pas. On va s'en occuper, moi et Maryse. C'est injuste. Là, attention! Oh, attention! Oh, il y a un gros chien qui arrive! Oh, attention! Chut, OK, sérieux, sérieux! Chut. J'enlève le bandeau. OK. OK. Garde les yeux fermés, hein? Les yeux sont fermés? Parlez aux travailleurs, hein? Hein? Y'a quoi? Des escaliers? Vivons, vivons, vivons! Mon salon, t'as vu? Mon salon. Et puis là? Mon salon, il est plus petit, mais c'est pas grave! Tu n'aurais pas dû... C'est vrai, j'aurais dû l'acheter meublé, mais comme ça, tu vas pouvoir la décorer à ton goût, hein? Mais tu aurais dû m'en parler avant. Oh, je voulais te faire la surprise. Viens voir, viens voir. Je peux te montrer ça, c'est incroyable. Garde ça. Ah, puis j'ai payé. Garde, c'est bien. Oh, ben non. Faut pas regarder, là, on dirait qu'on est en prison. Viens, t'as juste montré ça, garde ça. Non, mais c'est ça que je voulais te montrer. Très beau. As-tu vu? J'ai fait poser des balançoires. Ça te fait penser à quelque chose? Écoute, puis ne remue pas le couteau dans la plaie. Bon, écoute, si on n'a pas d'enfant, ben, c'est le destin qu'il veut. On n'est peut-être pas prêt. Non. Je t'aime, Lucie, c'est ça qui compte. Maintenant qu'on a la place, peut-être ça va nous inspirer. Les Russes arrivent dans 3 jours. C'est qu'on fait. Tu veux l'heure juste ou tu veux que je te rassure? D'après toi. Ben, les gars commencent à trouver la saison longue en maudit. Comme on est champion, on a toutes les équipes sur le dos. Puis là, Goldman nous arrive avec 2 parties contre les Russes. Peut-être que le club a besoin d'un bon coup de pied dans le cul. Ouais, peut-être. En tout cas, pour être franc, j'aurais préféré passer quelques jours en famille. Lambert a
un début de saison difficile, mais il est jeune, il va se replacer. Gagnon, ça fait 2 ans qu'il l'arrache. Il devrait accrocher ses pattes. Oh, fais attention, hein. Gagnon est encore du cœur. Soit de bonne chance, tu réussis à le convaincre de se retirer. Habille-les puis laisse-les sur le banc. Ça a déjà marché ailleurs. Hey, compte pour souvent faire des jobs de bras sur Marc Gagnon, OK? Quand j'ai carré un gars, c'est pour le bien de l'équipe pour des combines. Gagnon n'aime pas ça. Surtout depuis que sa femme est morte. T'as raison. Écœure pas avec Mac, t'auras un stick quand tu parleras français. Ouais, Mac, ça prétend que t'apprennes le français, on va passer plusieurs pas. Pas un stick, c'est un bâton. OK, OK, yeah, just get it. Hey, Bradshaw, si Big Mac apprend le français, toi aussi, tu peux? No way, man. Ah ouais, Nounou va te donner des cours, hein. Moi, donner des cours à ces faces de bœufs-là, là. OK, now what do you say this time? Je sais something about your mother. Pèse-moi, car je dois rêver. Cette fille, c'est un rêve. Ne rêve pas trop. Cette femme-là n'est pas pour nous. Elle a beaucoup trop d'ambition. Ce n'est pas son ambition qui m'intéresse. Ne crains rien. Personne n'a remarqué. Voilà le dernier rapport médical. L'équipe est dans une forme superbe. Sergueï, Koulikov. C'est son amygdalite. Chef Paléotke. Complètement guéri. Allô? Allô? Ça va bien? Ouais. Bon. Viens, tu vas m'aider à faire mes devoirs. Ouais, OK, je vais essayer. Qu'est-ce que tu fais, moi? Ouais, fais comme Francis, là. Monsieur Gagnon, avez-vous hâte de jouer contre les Russes? Jouer contre les Russes, c'est comme une visite chez le dentiste. T'essayes de pas y penser. Ce sera mon seul commentaire. Hein? Bonjour, Mme Patrick. Bonjour, monsieur. Puis, vous avez pas eu de problème avec les enfants? Oh, non, c'est des enfants sages. Ah, ouais? Oh. Mais, Marie-France a encore pleuré la nuit dernière. Ah, ouais? Ces enfants-là ont vraiment besoin d'une mère. Marie-France, moi aussi, je pense souvent à maman. Mais il faut continuer à l'aimer très fort. Jamais l'oublier. Hein? J'ai hâte de te présenter à ma mère.
Maman, voici Patrick Devon, mon fiancé. Il va être le premier Français à jouer pour la nationale. Et elle va dire, pas un autre joueur de hockey dans la famille. Allez, viens, on s'en va dans 3 heures. Allez. Lucia. On va voir de nouveaux voisins. Ah oui, comment ça? Il y a un agent. Ah non, pas la télé. Pas la télé? Non. Tu m'embrasses pas? Bon. Tout suis bien de profiter de petite soirée tranquille à la maison. L'hiver va être dur. Les Soviétiques, la Coupe du Monde. Les Russes. Ça me fait plaisir de les revoir. Tu te rappelles, Monsieur Ponomarev? Et Belaïev, le coach. Un vrai playboy. Oh, oh, oh. Non, mais écoute, fais pas cette tête-là. Ils sont vraiment très gentils. Je vais faire remarquer une chose. Quand vous parlez en russe, là, je comprends rien. Je sais que vous complotez dans mon dos. Ah, ben, bien sûr que je complote. Je fais passer toute l'équipe à l'ouest. Hey, fais-moi pas rêver. Koulikov avec Lambert puis Mercure. On va aller se coucher, hein? Parce que demain matin, je me lève de bonne heure, j'aille chercher le nouveau joueur français qu'on a signé avec l'équipe, là. C'est pas ton joueur de hockey français qu'on va chercher à l'aéroport. Nous allons chercher Suzy et son fiancé. Appelle-les comme tu voudras. Faut qu'on se lève pareil. Le vol là, il est en train de se concentrer dans le port d'Amsterdam qui est d'atterrir. Voilà. Suzy, maman! Tiens, tu savais comme je me suis ennuyée. Et toi, si tu savais. Ben, êtes-vous tous? Jean-Pierre Hugo? Ben, Hugo, tu sais, dans son collège aux États-Unis. Gilles insiste pour qu'il apprenne l'anglais. Oh. Et Pierre, il était trop occupé, il n'a pas pu venir. Ah. Gilles! Ça va? Je comprends pourquoi tu es populaire comme mannequin avec les Français. Hein? Maman, voici le garçon dont je t'ai souvent parlé, Patrick Devon, ma mère Marussia. Enchantée. Enchantée. Donc, Suzy, tu m'avais pas dit que ta mère était aussi belle? Oh, gentleman, pour un joueur de hockey? Non, non, mais je le pense. Alors, combien t'as de bagages, toi? 25 000, comme d'habitude? Les bagages des voyageurs ne veulent pas aller. Pierre! Pierre! Oh! T'es venu! Ben oui! T'as donc bien changé. Oh, il paraît que je suis un homme. Puis, comment va la belle Lucie? Ouais, très bien. Lucie, viens voir. Je vais partager ce moment avec toi. C'est merveilleux. Tu as réussi à accélérer le mouvement des cellules avec le champ magnétique. C'est fantastique. Mais ça va révolutionner tout le traitement des brûlures au troisième degré. Sylvain, je suis si heureuse. T'as surtout pas à t'excuser. Bon, il faut que je vérifie ce deuxième champ. Ce soir, je te donne congé. Oh non, je peux rester. Je voudrais tellement te voir opérer. Lucie, j'aimerais ça aussi que tu restes. Mais j'ai peur de te causer des problèmes en abusant de ton temps. Ton ami doit s'inquiéter. Il est jeune, il est sûrement très fougueux. Oui, c'est vrai, Pierre est effectivement bien jeune. Mais je ne veux pas te quitter. Pas aujourd'hui. Je vais le prévenir que je suis retenue et s'il ne comprend pas, eh ben, tant pis, il fera sa scène. Hey, les vedettes, grouillez-vous le cul! On dirait pas qu'on est dans le vestiaire des champions de la Coupe Stanley. Gardez-moi cette gang d'ornifleux. Arrête donc de faire ton smat. Tu existes, ces patins-là? Il est choqué. Nounou est choqué. T'as raison, le grand. T'as aussi bien avoir les patins bien aiguisés, ils vont vite, les Russes. Nerveux?
On dit bien franchement, tu m'aurais demandé ça il y a 2-3 ans, je t'aurais dit qu'il n'y a rien là, mais là, j'espère juste être capable d'y suivre. Ah, inquiète-toi pas, le grand, t'auras jamais l'air fou sur une patinoire. Je reste des patins à deux lames, que tu te rencontres toujours à la bonne place au bon moment. Hey, sais-tu, Bob, tu connais ça, le hockey, toi? Les gars, les Russes, en 3 jours, 100 millions de téléspectateurs, la réputation de la Ligue, notre réputation à nous autres. On va rien changer à notre style, on va rien changer à notre préparation. Mais je veux de la discipline, par exemple, pendant 3 jours. On va lui montrer c'est qui les meilleurs. Let's go. L'Amérique, Sergueï. Tu y penses? L'Amérique. Le gratte-ciel. Les discothèques. Et les filles. Tu sais, Igor Larionov, le centre de l'armée rouge, il m'a parlé des striptease qu'il a vus à New York. Sergueï. Et aujourd'hui, Igor n'est pas du voyage. Tu penses que... Non. Non. Je sais. Tu devrais dormir, Natacha. Les nuits vont être longues à Québec. Mon cher Boris, j'aurais plus de facilité à meubler mon île que toi. À moins que Sergueï ne fasse tout le travail pour toi. Faites des beaux rêves. L'Amérique. Speed it up! Go, Templeton! Come on! Take your men out of the play. You're too loose, damn it! Hey, Gagnon. Quand est-ce que tu as décidé d'aller dans le coin? On le sait tous que t'as peur des Russes. Let's go! Come on, move! Tourne les gars! Pourquoi tu m'empêches de faire mon entrevue avec Jacques Mercier? Moi, je veux. Jacques, lui... Non, Jacques, ça va pas du tout, puis tu le sais très bien. Ça, c'est ton problème, Madame Hébert. Monsieur Guilbeault. Bonne journée. Allez, go, nice, go, skate! Je vais sécher de vous. Viens, mon chat, viens mettre ta langue dans ton bol. Tiens, regardons ça, que c'est qui est là. Suzy. Get up! Hey, Suzy! Suzy! Go, go, go! Ma! C'est le gars qui est avec elle. Je veux pas vous faire de la peine, les gars, mais. Son chum, c'est allé, Patrick Damon. Move it! C'est lui le français qui va jouer avec nous autres? Ouais. Besoin de savoir patiner. Ouais. C'est peut-être toi qui vas être obligé de patiner, Marc. Il paraît qu'il est vite en sacrement. Je verrai ça. Monsieur Mercier? Frédéric Tanner, président de la Fédération suisse de hockey sur glace et président du comité pour l'équipe d'Europe à la Coupe du Monde. Bon.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bien voilà. J'aimerais vous inviter à déjeuner. Vous pouvez m'accorder une petite heure? Oui, et une heure, pas plus. D'accord. Sylvain, tu travailles trop. Tu devrais prendre un peu de repos. Non. Depuis que je suis veuf, je n'ai que mon travail. Lucie, toi, c'est pas pareil. T'es jeune, t'es pleine de vie. Depuis 2 mois, tu passes toutes tes soirées à travailler avec moi. Ton ami doit commencer à s'inquiéter, non? Pierre? Il est bien trop souvent préoccupé par son hockey pour se rendre compte que je rentre tard le soir. Il faut pas mépriser le hockey. Il y a 20 ans, je tenais mon bout sur la patinoire, moi aussi. 20 ans. Qu'est-ce que c'est 20 ans pour un homme? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens de parler. Quoi est-ce que je peux te voir de ce temps-ci? Tu travailles tout le temps. J'ai bien peur que ça soit de ma faute, Pierre. Je suis trop exigeant. C'est correct. Lucie m'avait dit qu'elle était votre assistante. Je comprends. Pas vraiment mon assistante. Ma collaboratrice. C'est quoi la différence? Pas ici, s'il te plaît. Excusez-moi, docteur. Ça ne sera pas très long. Je pensais pas que je te dérangeais tant que ça. C'est pas que tu me déranges, c'est ton agressivité d'adolescent boudeur qui m'agace. Tu voulais dire quoi, juste? Ma mère prépare un souper pour le retour de Suzy ce soir. Ah. Ben, je peux pas ce soir. Tu aurais dû me prévenir plus tôt. Bon, ça me surprend pas. Qu'est-ce qu'on fait pour la maison? On verra quand elle sera habitable. De toute façon, j'ai l'intention de garder l'appartement. C'est plus pratique pour mon travail. J'ai pas acheté une maison pour qu'on vive séparés. Écoute, Pierre, il faut qu'on se parle tous les deux. Mais pas maintenant, j'ai eu beaucoup de travail. Allez, arrête de faire la gueule. J'aimerais que ce soit bien clair. Je vous offre le poste d'entraîneur pour l'équipe de Fribourg-Gotteron et pour l'équipe européenne qui va disputer la Coupe du Monde. Je sais que votre femme, Judy, pourrait être intéressée par la poursuite de sa carrière en Europe. Quant à votre fils, Jimmy, nous avons trouvé une des meilleures cliniques de physiothérapie au monde. Nous vous offrons le même salaire qu'au Canada, mais sans impôts. Vous disposerez d'une résidence, une voiture et de 6 billets d'avion par année, pour vous et votre famille. Je ne peux pas accepter, M. Tanner. Il me reste encore une autre année écoulée à mon contrat. Puis la Coupe du Monde, c'est loin d'être faite. Et si ça devenait une réalité? Nous avons besoin de vous. Monsieur Mercier, ne donnez pas de réponse trop rapide. Réfléchissez bien. Et nous en reparlerons dans une semaine. Ça va être la même réponse. J'ai confiance, Monsieur Mercier. Vous êtes intelligent. Vous êtes un homme de cœur.
Здравствуйте. Доктор Пономарев не приехал с делегацией в этом году? Нет. Le docteur Ponomarev ne fait pas partie de la délégation cette année. Mais vous parlez le russe. Permettez-moi de me présenter. Constantin Kazanov. Je suis Madame Guilbeault, Marussia Guilbeault. Mes parents étaient russes. Nous connaissons très bien Monsieur Guilbeault. C'est un grand homme de hockey. Un adversaire coriace. И между нами у него очень хороший вкус. Vous думаете? Décidément, le russe permet de dire des choses très gentilles. Hélas, je le parle très mal. Je n'ai jamais l'occasion de le pratiquer. Mais je serais heureux de vous rendre ce service au cours des prochains jours. Avec la permission de votre mari, évidemment. Bien sûr. Vous accompagnez l'équipe? Je suis le médecin de l'équipe. Il est évident que la Ligue nationale a tout à perdre dans ces deux joutes contre les Soviétiques. Il aurait peut-être fallu renforcer le national qui connaît un début de saison difficile. Jacques, what are you doing? I'm leaving. I'm going to have to listen to that crap. Don't! Pas aujourd'hui! Et pourquoi pas aujourd'hui? Oh, for Christ's sake! I'm sorry. Bonne fête. It's okay, Dad. You have the Russians to worry about, too. Que c'est beau. Ça me rappelle les balades en troïka le long de la Moscova. Mais chez nous, il y a trois chevaux. Ça ressemble un peu à la Russie? Rien ne ressemble à la Russie. La Russie est vraiment le plus beau pays du monde. J'espère bien la connaître un jour. Dites-moi, êtes-vous vraiment heureuse ici? Il ne vous manque rien? Je veux dire, sur le plan humain. Oui, mon fils Hugo me manque. Il fait ses études dans un collège aux États-Unis. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai une vie très pleine. J'ai une boutique tout à moi. Des enfants. Un mari qui m'aime. Et que j'aime. Il a de la chance. Mais quand il ne s'occupe pas de hockey, que fait-il? Qu'est-ce qui l'intéresse? Le hockey. Go! Dans l'envers, ça va? Oh, ouais, ça va. Non, mais ça va monter là un petit peu plus, là. Tu traînes les pieds. Pourquoi, M. Tanner? Qu'est-ce qui nous amène le président de la Fédération suisse au Québec? La rencontre sommet ou Jacques Mercier? Ah, ben, je suis ici parce que cette rencontre au sommet est internationale. Quant à M. Mercier, son prestige en fait un candidat idéal pour ouvrir la conférence internationale de la Fédération européenne de hockey. Merci, Monsieur Tanner. Je vous en prie. Les gars, vous rentrez pas assez profondément dans la zone, là. Faut absolument que vous allez chercher défense. Puis allez-y dans les coins. Charlie à poc. Beaucoup plus que ça, OK? Hey. Montrez-leur ce que vous savez faire, OK? Let's go! Lucie?
Lucie! Devant. Ouais, attends. Quoi? Je t'aime. Vraiment? Si tu savais comment je t'aime, t'aurais pas. Les autres gars dans ta vie, tu les as aimés comme ça aussi? Tu parles de Denis Margagnon? Margagnon? Tu m'avais jamais dit ça? Margagnon, ça a été un trip de jeune fille. Puis Denis, lui, bien, j'ai réalisé que c'était un ami, c'est tout. Mais toi, je t'aime. Qu'est-ce que t'as? Tu trembles. Je crois que j'ai un peu froid, ouais. T'as pas l'air bien, Patrick. Non, ça va. Ça va. Tu sais, je crois que les fuseaux horaires, tout ça, ça me fatigue. Puis peut-être que j'ai une grippe, j'en sais rien. Bon, on va pas parler pendant une heure. Hein? On va aller patiner maintenant. D'accord? Moi aussi, je t'aime. Panique trop vite avec Lucie. Des fois, je me demande si elle est bien avec moi. Je lui parle, elle me rassure, mais... je sais pas. Il y a quelque chose qui est pas réglé. Moi, c'était pareil avec Suzy. Je voulais me tirer à la tête des murs tellement ça faisait mal. Tu t'en es sorti? Le pire, c'est qu'on pense que c'est éternel, puis à un moment donné, ben, on se réveille. Sergei, ja ću vas pozdraviti ve Quebeci. Voi velšaj okist. Ja očin česniv s vami pas na komiča. Hein? Vous êtes de grands joueurs, vous aussi. Nous sommes honorés de vous affronter sportivement. Mais dites-moi, où avez-vous appris la langue russe? Ma mère et les Russes. Ah. Alors vous nous comprenez? Assez pour savoir que vous devez avoir envie d'une bière? Tu sais que t'as appris le français? Mais je suis aussi traducteur à l'école militaire. Puis, ici, à Québec, il n'y a personne qui vous surveille. Facile. Nos familles garantissent de notre retour. Et vous autres, il n'y a pas de surveillance? Non. Mais nos femmes nous attendent à la maison. Nous aussi. Tu sais, ça fait 2 ans que je vis avec Pierre et... au début, malgré tout ce qui nous rendait différents l'un de l'autre, Pierre et moi avions un point commun. L'ambition, l'envie de réussir. Mais maintenant que son rêve s'est réalisé, c'est fini. Il ne se bat plus. Alors que moi, j'ai envie d'aller plus loin. Tu comprends? On a toujours rêvé d'un bébé et puis, depuis 2 ans, rien. C'est peut-être moi. Peut-être moi qui peux pas en avoir. Tu sais, j'ai beaucoup aimé Pierre. Enfin, je l'aime encore beaucoup. Mais notre relation stagne. Et j'ai peur.
J'ai très, très peur. Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, je dois t'ennuyer avec toutes mes histoires, mais... ça me fait tellement bien d'en parler. Merci. Merci, Sylvain. Tiens, ce matin, je t'ai préparé le déjeuner des champions. Oh, merci, non. Ça, c'est le résultat quand on s'est saoulé la veille. Puis toi, où t'étais hier soir? À l'hôpital. À l'hôpital. Avec ton cœur brisson, je suppose. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu es jaloux? Moi, jaloux? D'un homme qui pourrait être mon père? Et fais-moi pas rire, OK? C'est juste que... t'as plus de temps pour moi, on dirait. Écoute, chérie, je t'aime beaucoup. Mais ces temps-ci, je suis très préoccupée par ma nouvelle recherche avec le docteur Brisson. Essaie de comprendre. C'est un tout nouveau champ d'exploration. Je veux bien comprendre, mais ça fait 2 mois que tu rentres jamais avant minuit. Je m'ennuie, moi. Tu me manques. Je te promets de faire plus attention. Tiens, et si ce soir on allait au Grand Théâtre, ça te tente? Au Grand Théâtre. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse au Grand Théâtre? Puis à part de ça, où c'est que tu vas habiller demain? C'est pas comme ça que tu les aimes, tes petites groupies? C'est peut-être toi qui es jalouse. J'aimerais ça savoir ce qui se passe et c'est quoi, ça? Moi, c'est quoi, ça? T'as pas eu ma lettre? Je m'en viens rester avec toi. Je commence mon droit à Laval. Quoi? Es-tu malade, toi? Quelle lettre, Joanne? C'est pas comme ça, là. Je comprends pas ça. Je l'ai malé moi-même la semaine passée. Oh. Oh. Oh, ça, c'est bien moi, ça. J'ai oublié de la maler. Mêlée, t'en as l'air d'une mêlée, toi. Oh. Bon, écoute, tu vas aller t'installer dans la chambre d'amis, là, tant que tu te trouves un appartement. Ça te va-tu, ça? J'ai du travail à faire. Linda, j'en ai pas d'argent pour un appartement. Ah bon? Tu veux pas de moi, hein, c'est ça? Écoute-moi bien, Joanne. J'ai travaillé dur toute ma vie pour avoir ça ici. C'est pas toi qui vas débarquer, puis... OK. On va se débrouiller, va. C'est correct. Ah, oh, merci, Linda, merci! Je savais que je pouvais compter sur ma grande sœur. T'es super! Oh, je suis contente. Oh, c'est super! Tu veux-tu une bière? Tu veux un sandwich, je veux-tu? Salut! Ah oh ben, grosse touffe de plume! C'est quoi ton nom, toi? Moi, c'est Jojo. Jojo. Croyez-moi, Madame Mercier.
Je ne suis pas ici pour troubler le calme de votre famille. Je ne l'accepterai en aucun cas. Écoutez-moi, je comprends ce que vous ressentez. Mais pensez à ce que je vous ai dit au sujet de votre fils. Les cliniques en Europe ont une approche thérapeutique plus humaine. Et sa réadaptation en serait grandement facilitée. Vous allez dire que je joue avec vos sentiments. Mais je vous assure... Monsieur Tanner, vous en avez assez dit. Je ferai part de votre visite à mon mari. Bien. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop d'être venu. Nous verrons, Monsieur Tanner. Au revoir. Au revoir. Quatre jours en Amérique, et c'est assez pour vous pourrir? Vous êtes l'Union soviétique, qu'on regarde à travers votre performance. L'Union soviétique ne peut pas se permettre de perdre à la face du monde. Et vous, vous tous, n'oubliez pas jamais que vous pouvez être remplacés la semaine prochaine si vous n'avez pas compris l'importance de votre mission. Et tâchez donc de prendre Sergueï en exemple. Lui, il travaille. Hey, Preach. Listen, you have connections upstairs, don't you? Quelque chose de spécial à demander? Yeah. Like, all the luck we can get. Faites vos prières, les gars. Bon, là, le Lambert, c'est fini le traînage de pieds. C'était trois jours que tu me dors d'en face. Moi, j'embarque pas un gars qui veut pas jouer. Ah non, non, genre que je veux jouer. Ça va aller mieux demain. Ben, change! Parce que tes petits cousins de Moscou se vont avoir d'en haut. Come on, move, Gaillon! Deux jours de break que tu veux? Qu'est-ce que moi, donc? Nous ne sommes pas là pour l'instant, mais laissez-nous un message, nous vous rappellerons dès que possible. Au revoir. Maya, Lupi, Maya.